Bonjour, Chapolerlai, qu'est-ce que t'as? Je crois que je suis un peu fatiguée. Il se fait tard. Il est que 22h, t'es déjà fatiguée, Georges? Hein? C'est bizarre, ça. Bon, les enfants, allez, au lit. Si Georges est fatigué, vous allez aller tous les deux là-haut au lit. Allez, plus vite que ça. Allez faire dodo. Georges? Oui? Allez, mets-toi au lit, Georges. Ok. Mais papa, tu sais, j'ai pas envie de beaucoup dormir. Et je croyais que t'étais fatiguée. Oui, mais je voudrais que tu me chantes une chanson. Ah, oh. Bon, d'accord, je vais te chanter une chanson. Fais dodo, cola mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Maman est en haut, qui fait du gâteau. Papa est en bas, qui fait du chocolat. Fais dodo, cola mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. C'est bon, Georges, tu dors? Une autre. Bon, d'accord. Alors, je sais, je vais te chanter celle-ci. Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, ding-ding-dong. Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, ding-ding-dong. C'est bon, Georges, t'as envie de dormir? J'y suis presque. Allez, une dernière chanson, s'il te plaît. Bon, d'accord. Alors. Je vais te chanter celle-ci. Au clair de la lune, mon habit Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu. Au clair de la lune, Pierrot répondit, je n'ai pas de plume. Je suis dans mon lit. Va voir, va chez la voisine, je crois qu'elle y est. Car dans sa cuisine, on bat le briquet. Ça y est? Bon, je crois que Pep, je suis en dehors. Allez hop, moi aussi je vais au lit.